on est dans la deuxième partie de ce scramble avec Candice et moi-même Fabienne, on est au trou numéro 10. Je rappelle qu'on est à plus 3, c'est ça Candice? Oui. Plus 3. Que notre record est 10 et qu'on aimerait jouer en scramble à un chiffre. C'est parti. Un bon shot, plein milieu, fairway pour Candice. Parfait. Alors, j'ai ma balle juste ici. Candice est 3-4 mètres devant moi et super bien laillée, donc on prend la sienne. Donc moi, je vais faire peut-être un fer pour assurer. Ouais. Allez, c'est mieux. La balle de Candice est là. La mienne est à côté de l'arbre là-bas. Bravo. Alors je suis sur le green, certainement à hauteur drapeau, même pas, non, il doit manquer 2 mètres à Candice maintenant. La balle de Candice est là, mais la mienne est ici à peu près à 6 mètres du drapeau, ça va être compliqué, c'est le handicap 1 ce trou. Si on arrive à boîter le par, là on est forte. C'est un joli par. 110 entrée de green. Elle n'est pas sur le green, mais peut-être à 2-3 mètres. Bon, on sauve les meubles. Alors ma balle est juste là, un peu 2 mètres avant le green, et puis après il reste 4-5 mètres à putter. On va essayer ça. Ça roule. On va jouer ma balle qui n'est pas rentrée quand même. C'est encore un par. On va au trou 12. Ça sera la même balle, on va essayer de se débrouiller avec ça. Ma première balle est là, bien placée. L'autre, elle est 5 mètres devant Candice, là-bas, moins bien laillée, mais on va prendre la sienne quand même. Je crois que j'ai vraiment plus joué. Hein. Je pense qu'elle est bien. Elle est un peu propre, mais elle est bien. Allez, on va voir. Donc on va jouer ma balle, là il doit rester une trentaine de mètres je crois. Ah ouais. Ça sera une belle topette. Ça, c'est une chouette balle. La balle de Candice est sur le green juste là, la mienne est dans le rough là-bas, donc on prend la sienne. Ça va être dur là. Ma balle n'est jamais revenue, donc Candice va péter pour le bouclier. Donc c'est un bouclier. C'est le trou 13. Allez, je suis allée un peu. Très bien. Je suis un peu à droite. Il est un peu à droite aussi, mais il est vachement plus long. Alors, on a une balle ici. Celle de Candice là-bas, elle est un peu plus loin d'un mètre, mais quand même, on va pas risquer. Le laillet plus pourri, on va prendre la mienne. Bon, Candice a ses petits bois qui ne partent plus. Je crois que je l'ai déjà dit à l'aller, alors que c'est une magicienne des bois. Ça la déprime un peu. Il va falloir casser tout ça et balancer des coups de bois. Un léger déséquilibre, mais bon, il est parti, ça va dégueuler un peu à gauche, mais ça part, ça recommence à partir. Allez, à moi. Allez, je continue à partir sur la droite. Ma balle est ici.
Mais celle de Candice est là-bas, on va prendre la sienne, il y a moins de danger en face. Allez, le bunker. Yeah, en plein dans le bunker. Alors là, ça laisse à réfléchir. Donc là, celle de Candice étant derrière les arbres, on va essayer celle-là. C'est pas facile, hein, il y a une butte et de suite après, il y a le drapeau. Celle de Candice a été topée, on va jouer celle-là. Candice a sauvé le parc. Bravo. Trou 14, avec une jolie petite bichette qui me laisse s'approcher et qui s'en va. Oh là là, il va falloir faire... Bon, elle est au milieu. Ouais, c'est commercial, hein. C'est moche. Et celle de Candice est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on va prendre celle de Candice. Ah ben, elle est là. Celle de Candice est là-bas, à côté du, là-bas, à côté du bunker. Et super bien laillée, donc on prend la sienne. Pas de problème. La balle de Candice est là, il doit nous rester 130 mètres entre green, hein, après on ne sait pas. Donc elle est superbement laillée, ça c'est sûr. Alors ça... Waouh, mais ça devrait être pas mal. Alors voilà, depuis tout à l'heure Candice, bah, on aurait pu arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sent pas bien? Quand rien ne part, elle continue et là pour l'instant ça paye. Allez, au les cœurs, on y va. Allez, une balle dans la forêt. Ma balle à moi est là, elle est dégueulasse. Celle de Candice est sur le pré-green là-bas. Et on va la jouer. Voilà, celle de Candice est très bien là. Il y a le pré-green. Et après, il y a une butte de la mort. Et après, il y a le drapeau tout au fond. C'est un putt de 20 mètres. Alors les greens sont sablées et ça, ça freine un peu. Alors je sais pas comment elle va la jouer. Oh la belle virgule! Trop courte. Du coup c'est la mienne qu'on prend? On peut en pente, mais elle est vraiment plus courte. Ouais, ouais, elle est vraiment plus courte, ok. Je vais la péter. Yes. Voilà, ça fera un bogey. Et on est à... Bah, bogey en plus, je sais pas. On est à 5. Il y a 120-125 mètres. Ouais. Ok. Le truc, c'est qu'il faut arriver à passer le bunker, c'est ça le... Alors, t'as passé le bunker. Je crois que je suis allé dans l'autre. Ouais. C'était ça. Parfait. Drapeau, tu vas voir. C'est niveau drapeau, mais dans le bunker. C'est son trou, normalement. Vous ferez des bisous en commentaire à Candice dans le vlog, parce que c'est pas son jour et elle continue et elle est bien brave, ma foi. Je suis sur le green. Là. Pour un birdie en descente, j'y crois même pas, mais on va quand même le tenter. Allez, à Candice. J'aimerais ne pas avoir à sortir mon club. Oh la bitch! Je ne sortirai pas mon club, donc comme j'ai dit. Alors on file vers le trou 16 et je crois qu'on avait... On avait 3 à l'aller et là on est à 1. Ça fait 4. Ouais. Ça c'est le trou 16. J'adore quand les... J'adore quand les départs sont en pente comme ça, ça me flingue. C'est pas grave. Putain, revoilà Candice. Je sais même pas si on a déjà fait ça à ce trou là. Une balle de merde qui
qui n'a jamais décollé, mais qui fait son chemin. Ma balle à moi est ici, je dois être à 85 mètres du trou, mais Candice là-bas, elle est à sa balle, et elle doit être à une soixantaine de mètres, donc on va prendre ça. Donc voici la balle de Candice. Les bois de Candice reviennent, t'as fait combien là? 143 mètres. C'est honorable. Ouais. C'est honorable. Et donc là, il nous reste combien? 80 mètres au milieu de green et le drapeau jaune. Drapeau jaune, baignade surveillée. 80 mètres au drapeau. Donc normalement, moi, c'est pas dur, c'est mon faire 8, mais à condition qu'il parte. Faire 8. Pour moi, je crois que moi aussi, c'est faire 8. Alors, let's go, girl. Alors, elle est un peu à droite, mais... Ah! Oh, il y a un bunker, là. J'ai pas vu qu'il y avait un bunker, là. Merde. Elle y va droit dessus, par contre. Elle pitche au drapeau. Bim! Voilà, merci, au revoir. Elle fait un ou deux. Je crois qu'elle est pas mal. C'est chiant, il va falloir poter, quand même. C'est dans le bunker, mais hauteur drapeau. Hein? Mais on va pas se taper une sortie de bunker. On va jouer la mienne, qui est à 3 mètres en descente, 4 mètres même. Moment critique. Ouais, là c'est critique, ouais. Voilà, il est métable, il est franchement métable. Faut s'appliquer, prends ton temps surtout, prends ton temps. Et de ce côté, on voit la pente. C'est bien. C'est bien, Candice, solide. Solide. Sauve le par. Okay. Allez, ça part un peu à droite, donc moi, il faut absolument... que j'aille sur la gauche. Voilà. Ah, elle tourne. Ça part à gauche. Bon, ben, je pense qu'on va être obligé de se débrouiller avec ça. La balle de Candice est là. Raf pourri. La mienne est à côté de l'arbre, là aussi, à droite. Ce qui fait que ce sont des balles de merde. De toute façon, j'ai un œil de merde. Donc la question ne se pose pas, c'est la tienne. Ouais, la question, elle est vite répondue. Ouais. On va aller prendre ma balle. Bisous. Bisous. Le problème, c'est qu'elle a fait des ras du sol. Elle a fait des, mais un peu trop tôt. Elle a fait 2 mètres. Alors... pas mieux. Oh là là. Ça sent la fatigue. Hein. Et toi, elle a plus d'ouverture peut-être. Ouais, il y a plus d'ouverture, mais ça sent la grosse fatigue. J'ai dû faire même pas 100 mètres. On est à 135 mètres entre green. Moi, j'ai pas les moyens de faire 150 ou 150 mètres jusqu'au drapeau. Tu veux que je tente, 140... Il y a 5 biches, on les abîmera pas, je pense. 140 drapeaux, tu veux que je tente? Allez, let's go. Allez. Ah, ça a bien décollé. Écoute, elle n'est pas sur le green, mais elle est propre. Elle est propre. Candice qui fait des... C'est pas des divots, c'est des demi-grattes. C'est des divots au bois, ça existe ou pas? Je crois pas. Allez. Ma balle est ici. Candice, tu veux bien m'aider à la récup? Bien sûr. Alors bien sûr, on va pas la jouer. Merci. Mmh. On va jouer la sienne. Qui est, on va aller voir où elle est jolie. Voilà, là il y a une approche redoutable. Une petite approche roulée, moi qui n'aime pas les approches roulées. Un petit birdie. On se retrouve à combien là? On se retrouve à toute cette partie à 0. Donc à 3. 3 plus 3. Allez, on arrive au trou 18. C'est aussi un par 5. Ah! Allez, il faut qu'on tienne jusqu'au bout. J'ai fait ça. Ah oui. Oh, mais non! On va pas craquer au dernier trou. Allez. Allez, on y va. Oh là là. Alors, ma balle est là. Celle de Candice, elle arrive dessus. On a fait 40 ou 50 mètres. La honte. Ah ouais, il y a des chances qu'on fasse quelque chose de moche là. C'est la fin des haricots. Ouais, c'est un peu vieux, mais c'est pas top. T'as déconné, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, jamais compter avant la fin, jamais. Alors la balle est là, alors qu'une biche traverse. Normalement on est là en 1, ben là on y est en 2. Et normalement c'est un trou à birdie ou au moins à part. Et là, on va essayer de sauver. On était à 0 à l'aller. Au retour, zéro retour, et là, bah, ça va être dur de sauver les meubles. Allez, pars pas trop vers la droite.
Oh là là. Elle est peut-être un peu mieux. Elle est moins longue. Oh, ah non, elle est mieux. Allez, on va prendre la mienne. Ouais. Hein, je pense. Ça va. Là, on peut peut-être accoucher. Alors voilà, je suis là. Il n'y a pas d'obstacle majeur. Il y a les deux bunkers là, l'arbre là, mais il n'y a pas d'obstacle majeur. Il doit rester 60 mètres entrée green. 72 entrée green. Ah, quand même. Alors, 72 entrée de green. Ah, j'hésite avec un 9. Peut-être un 9. Qu'est-ce que t'en penses? Qui c'est qui y va? Tu veux y aller? Allez, j'y vais. Oh, elle est jouable pour Ouhou, le... On va peut-être sauver le parc, bordel. Ouais. Hey, ça, tu pars à droite aujourd'hui. Toujours à droite, c'est fou, hein. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Alors, Mabel et Bijoux, effectivement, elle est à un club. Oh, allez. Faut que je joue moins fort, hein, quitte à la... Ouais, c'était un pote en descente et je l'ai un peu attaqué. Oui, bravo Candice, bravo. On a réussi à jouer 0 au retour, ce qui est cool. Ouais. Et combien à l'aller? 3. À l'aller, on a joué 3, on a joué 0 au retour. Voilà, je suis trop fière parce qu'en fait, on a eu un aller où on était bien toutes les deux, tout allait bien. Le retour, Candice, elle a un petit peu, comment dire, elle n'y croyait plus. Et à un moment, quand c'est moi qui merdais un petit peu, elle était là. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et j'adore jouer en scramble, moi, personnellement. Mmh. Alors ben voilà, on est super contente parce que 3, donc on finit à 3, c'est ça? On finit à 3. Voilà. Notre record battu, ça va être dur de battre record. Notre record battu, la première fois on avait fait 10, je crois, là 10. On a fait 3, ça veut dire qu'on a progressé. Bien sûr, on n'est pas au niveau de pas mal de gens qui font des vlogs et qui finissent en négatif, c'est pas notre niveau. Mais nous, on est super fiers, il faut être fier de ce qu'on est, je pense, du niveau que l'on a. Parce qu'on progresse pas et... Tu progresses. On progresse, voilà. Bye bye. Ciao.